ce rendez-vous chaque troisième samedi de chaque mois est important, aussi bien pour rendre hommage aux victimes qui ont été assassinées donc, cette année, et aussi pour rapporter notre travail de terrain, ce qui se passe réellement sur le terrain, quelles sont les avancées, parce qu'il y en a eu des avancées. Par contre, il y a aussi toujours des couacs, il y a aussi des effets d'annonce qui sont faits dans la presse. Donc nous, on est là pour dénoncer ce qui se passe réellement sur le terrain et que malheureusement, que ce soit le Grenelle, que ce soit les nouvelles lois, que ce soit le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger, malheureusement sur le terrain, ce n'est pas mis en place. Donc nous, on veille justement à ce que toutes ces nouvelles lois soient appliquées. On voit qu'elles ne le sont pas, donc on est là pour dénoncer. En 2022, nous avons recensé, chiffre à minima, 111 femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, ainsi que 16 tiers, dont 10 enfants. Une femme tuée encore tous les 3 jours. Ce sont 143 orphelins privés de leur maman, dont 38 étaient présents lors de ces assassinats. 4 les ont découvertes. 36 femmes ont aussi été assassinées, non pas par leur compagnon ou leur ex-compagnon, mais juste parce qu'elles étaient une femme. Ces crimes ne sont ni des crimes, ni des drames familiaux, ni des crimes passionnels. Ces crimes sont des féminicides perpétrés par des hommes qui pensent que les femmes et les enfants sont leur propriété. Ils pensent détenir un permis de tuer. Ces crimes ont lieu à tout âge, partout, dans toutes les catégories sociales. Ces femmes assassinées, nous avons souhaité les rendre visibles. Les politiques doivent réagir, ainsi que la société et chacune et chacun d'entre nous. La justice doit s'appliquer. Quelle qu'en soit la forme, les violences ont des conséquences multiples et durables pour les victimes. C'est pour cela que dans l'Ain, nos trois associations de terrain, SAVE, représentée par Marion Doyen, le Secours Populaire Français de l'Ain, représenté par Jacques Demars, ici présent, et Putain de Guerrière par moi-même, Christelle Gué, se sont regroupés afin de défendre le même objectif commun, la lutte contre les violences dans l'Ain, et ainsi créer le réseau VIF 01. Nous tenons encore à rappeler que nous ne prenons la place de personne. Nous ne nous substituons pas à la justice. Nous faisons de l'accompagnement, de la sensibilisation. Nous souhaitons travailler avec tous les différents intervenants pour lutter contre ces violences. Cependant, si des signalements sont nécessaires, nous agissons. Le réseau se compose de plusieurs bénévoles, le plus souvent anciennes victimes de violences conjugales, mais pas que. Et nous avons aussi la chance d'être accompagnés de professionnels de santé bénévoles, des psychologues au nombre de 14, des psychiatres, sophrologues, sages-femmes, addictologues, thérapeutes EMDR, mais aussi 2 juristes et 2 étudiants en 3e année de licence de droit, qui nous aident donc bénévolement. Nous avons actuellement 6 familles de parrainage pour reloger les victimes dans l'urgence et dans la sécurité. En 2022, le réseau VIF a accompagné 184 femmes dans l'Ain et 14 hommes. En France, depuis 2010, toute citoyenne peut déposer plainte sans certificat médical. Parce que quand on se décide à porter plainte, on n'a pas tous ses papiers, on n'a pas forcément un certificat médical sur soi. Et on peut déposer plainte même si on n'est pas dans sa zone de résidence. Et puis tu voulais rajouter quelque chose sur l'accompagnement. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une mesure qui est en place. Vous savez que quand quelqu'un est en garde à vue, il peut être accompagné d'un avocat, l'avocat commis d'office. Aujourd'hui, une personne qui va déposer plainte peut être accompagnée par un avocat commis d'office spécialisé sur les VIF. Donc nous conseillons à toutes les personnes poussant la porte du commissariat pour déposer plainte, soit de nous contacter, on les accompagnera, soit à l'arrivée du commissariat de la gendarmerie, demander avant de déposer la plainte qu'on appelle l'avocat commis d'office. C'est gratuit et c'est aujourd'hui une nouvelle mesure. Donc n'y allez plus toute seule. Sachant en plus que, si je peux me permettre, il y a un partenariat qui a été mis en place avec l'hôpital de Flériat. Donc aujourd'hui, l'hôpital de Flériat peut recevoir une femme qui vient d'être victime de violence, et la plainte peut aussi être prise sur place. Et la plainte est vraiment très très importante. Comme je vous le disais, la plainte, c'est ce qui permet au procureur de savoir s'il donne suite ou pas. Donc s'il n'y a rien dans la plainte, exactement, c'est classé sans suite. Donc c'est vraiment vraiment très très important.
son mari et était revenu ce jour-là au domicile.